Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans le Nuclear Game. Je suis Alex, donc de la Nuclear Team, et voici donc Tita, mon acolyte du Nuclear Game. Oui. Et donc ce soir, nous allons jouer un jeu appelé Outlast. Je ne sais pas faire le fantôme. Outlast, c'est quoi, Alex? Outlast, c'est un jeu d'horreur, parce qu'on aime l'horreur, qui raconte la vie d'un scientifique appelé Miles Upshur, qui est donc un journaliste qui a été envoyé, car il a reçu un dossier mystérieux, pour aller faire un reportage dans un asile. C'est super. Voilà. Moi, je pense que c'est le boulot en intérim qu'on proposerait et que je refuserais. C'est ça. Donc, rien de tel d'aller de nuit dans un asile pour aller faire un bon petit reportage. Donc. Après, t'es payé plus, mais... Ouais. Donc on est parti, alors à savoir dans l'écran titre, il y avait continuer, alors nouvelle partie, parce qu'on a fail. Petit problème technique. Deux ou trois fois. Deux fois. Là c'est la troisième fois. Donc on a vu un peu à peu près le début, ce que ça, à quoi on s'attendre, eu, on va dire. Voilà, on a eu une frayeur, voilà. Vraiment une frayeur. On n'a pas beaucoup avancé, on était comme ça. Voilà. Et donc on va voir la vie de ce journaliste. Et n'hésitez pas à nous proposer des jeux pour le Nuclear Game, on reprend... Volontiers, ouais. Des jeux que vous pouvez nous dire. Et au mieux, des jeux qui sont pas trop connus, que vous connaissez. Voilà, tout à fait. Vous pouvez nous faire partager, et nous on peut faire partager aux autres grâce à la vidéo. Voilà, donc nous, le but c'est pas de vendre un produit, attention. Ah oui, non, on est là pour donner notre avis. Exemple, et ce jeu est plutôt bien fait, mais voilà, quoi, le scénario est un peu à la con, faut le dire. Oui, hein, c'est scénario blockbuster, je suis journaliste, je vais m'inquiéter, et bien sûr, c'est pas ça. Après, c'est normal. Enfin, on est là pour donner notre avis, oui, mais on est là aussi pour s'amuser, et faire connaître le jeu, si vous n'avez pas les sous. Encore là, il est pas trop cher. Ah, écoute, ouais, avec la remise sur Steam, il coûte 11€. Et le prix de base, c'était 18€, donc... J'ai cru 18€. Hein. Bon, voilà, il éteint tout, le journaliste. Et bien sûr, bon, voilà, il prend la caméra, tout ça. Bon, bah, alors, on va vous laisser lire, hein, tranquille. Donc, c'est la troisième fois qu'on le lit, donc... Voilà. Faites un arrêt sur image si vous voulez le lire. Voilà. Bien sûr, comme à chaque fois, vu qu'on est deux et que... Ah oui, effectivement, on est deux, donc voilà. Hein, c'est un jeu qui joue tout seul. Donc du coup, on se partage les rôles. Je suis à la souris. Et moi, au clavier. Bon, là, il teste la caméra, le zoom, la vision nocturne qui va beaucoup nous servir. Même au départ du jeu, parce que vous allez voir ce qui va se passer. Allez, on est parti. Et on se casse pour commencer le jeu, hein, on va sauter tout. Ça ne marche pas. T'as des voisins bizarres. Bon voilà, je peux courir, je peux sauter, je suis un sportif. On peut ouvrir les portes. Ouais, je peux l'ouvrir plus vite. Hein. Bon, on va aller directement. Ah oui. Ah oui. Alors voilà, quand on a tourné tout à l'heure, hop là. Voilà, juste là. Coucou. Ça donne un peu l'ambiance du coup. On va aller droit au but, je pense, parce que... Voilà, on sait en fait, dès l'entrée principale, bien sûr, est fermée. Donc on a tourné au moins deux bonnes petites minutes pour trouver qu'en fait, c'est par là. Voilà. Et là, il y a juste à se baisser. En fait, si vous voulez, le début du jeu, voilà, c'est un peu un didacticiel pour vous montrer un peu toutes les touches, tout ce que vous pouvez faire. Voilà. Et en plus, vous avez tout ce qui est marqué dessus. Ouais, bon, nous, on a changé aussi les touches. Après, à savoir que là, nous, on a baissé les graphismes au plus possible. Enfin, peut-être pas au plus, mais presque. Parce qu'on a... On tombe sur un vieil ordi à moi qui... Parce qu'on ne peut pas jouer sur Mac, a priori, sur ce jeu. Et du coup, pour éviter tous les bugs, on a mis comme ça. Coucou ! Oh, le fail ! Excusez-moi. Oh, c'est voilà. Vrai que c'est... Oui, mais tu tournes pas la caméra assez vite, Alex. Je n'y peux rien. En tout cas, il faut dire que pour un jeu à 11€, il est
remarquablement bien fait. Ah oui, c'est clair. Et voilà, ça commence. Et tu sais que je m'en souviens plus, je te plaisante pas. Mais écoute, je t'avouerai que moi non plus. Parce qu'on a avancé un petit peu, bon après c'est pas des pas de qu'on a fait dans le jeu. Oui, mais... non, mais bon, c'est vrai qu'on a pris vraiment. Alors, le temps la ce qui est pas mal, c'est qu'on peut l'ouvrir vite ou doucement comme ça. Et on choisit, voilà. Voilà, tu peux éteindre la caméra. Voilà, moi je tourne la tête. Et moi je regarde avec la souris. C'est ça. Que tout. Alex ne fait. Arrête de regarder comme ça, ton écran. Le réflexe. Et voilà, un petit peu la nausée qu'on fait. Putain. Voilà, mais c'est des petites frères comme ça qu'on oublie. Il faut aller où là déjà? Je ne sais pas s'il y avait un dossier à récupérer. Non. Ah, on peut, oui, dans le jeu, on peut récupérer soit des dossiers sur les patients, soit des piles qui nous sont. Et aussi des passes, des petits trucs comme ça. Ah oui, là-bas. Ah non, c'est pas par là. Alors par là. Non plus. Non plus. Il doit y avoir une porte. Ah, attends. Non plus. Qu'est-ce que c'est ce délire là? Là, une porte. Ah, oh là là. On a dû se faire insulter là. Par c'est les gens. Clair. Et vous êtes cons! Bande de noobs! Bon, voilà pour vous filer. Là là là. Ils sont beaux les dossiers. J'ai fini le jeu en 5 minutes. Bon, nous on a. Ah, je crois qu'il y a une pile ici. C'est toi la pile. Si, regarde sur le bureau. Ah oui. Mémoire de poisson. Oui! Bon voilà, les piles, c'est l'éclairage. Très important parce que nous, dès qu'il fait un peu sombre, on allume la caméra. T'es pas bien d'ouvrir? Ouais! Crame des gars, moi. Bon voilà. Non, c'est. Ah non, c'est rien. Ah. C'est moi. Il m'a fait un peu peur. Hein. Parce qu'on a eu voilà, le bug du freeze. Tu leur montres le document quand même. Ah oui, excusez-moi. Oh oh thérapie, diagnostic. Pause! Note de l'entrevue, pause. Voilà, bon, la pause c'était pour vous. Et il nous bug, bien entendu. C'est super. Merci Papa Noël de nous faire ces beaux cadeaux. Allez, donc nous sommes de retour dans le Nuclear Game. On s'excuse de cette petite ellipse. Encore un petit bug technique de mon super ordinateur. Super ordinateur. On est reparti, bon, on était dans la salle qu'on n'a pas vérifié, il n'y a rien, il y si, a que... Si, on a chopé le petit papier. Ah oui, 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 c'est vrai. Oui, parce qu'il s'est passé quand même 5 bonnes minutes. Oui, on a eu le temps de se resservir un verre. Oh, excusez-nous hein, si ça lag un petit peu par moment. Bon, là, il y a post-caca. Vous verrez qui c'est post-caca. Bon, je vous montre qu'on ne peut pas y aller. Ah, attends, on n'est pas allé par là, tout droit. Bien sûr. Chaque fois, je le fous. Attends, regarde, s'il te plaît, à gauche, en haut. Ah oui, en fait... Ah, d'accord, non, c'est bon. C'est moi. Parce que vous verrez. Je me demandais si c'était une pièce ou pas, mais... Ah ouais, c'est vrai, j'ai vu. C'est pas une autre pièce. D'accord, ah, j'ai cru qu'il était rentré, le mec. La première fois qu'on a tourné, en fait, pour moi, j'ai cru qu'il était dans la pièce. Et du coup, on s'est vite barré ici. Donc ici... On n'a pas tout vérifié. Oui. Ah, regarde, il y a le couloir qui est là. Oula. Oh là là. Excusez-nous. Hein, oh. Oh, il... Oh putain, oui! Oh putain, oui! En fait, on se chie mais... pour la même chose, nous, mais... Oui, mais c'est incohérent, le truc. Enfin, voilà, du coup, je m'en souvenais plus, donc j'ai pas vu. Parce que nous, en fait, on pense plus à ça. On a pensé... Je pense qu'on pense à la même chose qui fait 10 fois plus peur. Hein? Oui. Ah. Oh, c'est vrai, je l'oublie. Et voilà, il dit les variants. On sait pas qui c'est les variants, mais ça doit être les méchants. Oh, regarde, des têtes! Oh! C'est ah!
Ah, c'est dégueulasse. Attends, il n'y avait pas de pied. Bon, il nous dit qu'on peut aller au local de sécurité. Tout doucement. Oh, V. Oh. Et si on y est... J'ai pas rêvé. Ben... Je sais plus. Attends, c'est où? Je sais plus. Là. Doucement. Ah. Oh non. On va jamais le terminer. Voilà. Ah, parfait. Bon, ah, il a l'air de plus bugger. Bon, allez, c'est bon. Enlève la caméra parce qu'on va... Boucher la batterie pour rien. Ouais. Pas bien. Et... Là, à gauche, je crois que c'est condamné. Ah, non, gauche, à droite. Ah, merde. Doucement. Ah non, c'est fermé. Bon. Trop lolo. Les loupés. Quoi ? Putain ! C'était c'est lui, c'est lui. Je disais bien, petit cochon. Petit cochon, je fais. Le psychopathe. Attention, t'es. Chin. And who are you? Mais qui es-tu? Hmm? I see. Merciful God, you have sent me an answer. God, your life, son. You have a calling. Bon, voilà, on vous a laissé. On a fait un peu le pitre derrière. Mais... Bien sûr, ce qui est tout à fait normal, le mec qui vient de parler, il y a des mecs par terre, il est fou et il nous laisse tranquille. Bon, ouais, c'était par là. Yep. Apparemment. Je crois qu'il y a une pile par là. Un dossier. Ah, un dossier, c'est ça, un dossier. Mes souvenirs sont exacts. On vous le met. Donc voilà, là on en était vers là, nous, quand on a terminé tout à l'heure. Voilà, hop. Ah, sa taille gigantesque, ça doit parler du gros. C'est le gros cochon. Le gros cochon. Et j'ai fait quoi? J'ai fait sur le bouton. Mais il me semblait qu'il y avait une pile, non? Ah non. Mais c'était le dossier alors. Bon. Yep. Alors? Je sais plus là. Exit. Ah ouais, lui là. Lui, c'est le. Et il voilà, ils nous font rien en fait. Il nous a fait peur. Lui. Voilà, on se dit il non, normal, il y a un mec. Ils nous font rien. Là, pareil. Ouais, on arrive. Mais voilà, les gars, tu regardes la télé, c'est Fourmise. Oh. La Black Armbar. Lui, attends, viens, on les filme un peu. Quoi, tu. Mais parce qu'il nous faut des preuves vidéo, on est des reporters. Regarde ma face. Et voilà ce qui se fait. C'est pas bien de faire. C'est pas bien de faire ça en public. Oh, je kiffe. C'est bon. Allez. C'était une caméra cachée. Allez, on s'accroupit. Bon, on prend. Enfin, on va assez vite parce que. C'était quoi le bruit? C'était là par là. Je sais pas. Ouais, je crois bien. Ah, la carte. La carte, c'est ça. Voilà. Donc voilà, on ramasse même des cartes pour le local de sécurité. Bon, nous on va assez vite parce que là, voilà, on connaît un petit peu. Il y avait rien ici. Oui, l'intention, il y avait rien, c'était fermé. Heureusement qu'on te dit, objectif, c'est partir de l'Asie, là, bien sûr, tout est fermé. Hop, je cours. Oh putain, lui, mais. Allez, les gars. Bon, on peut pas se battre. Ça me. Pour moi, j'aime pas assez. On peut pas se battre. Non, c'est pas qu'on ait une petite fiotte, mais bon, avec une caméra, c'est un peu chaud de. Est-ce que tu souffres? Psychopathe, non!
Du coup, je me permets, attends, c'est Tab, c'est ça. La carte magnétique, ah mais oui, c'est, il faut, je me souvenais plus où est-ce qu'il fallait aller. Bon, j'ose donc pas voilà, trop... l'exactitude de ce qu'on a fait, mais là on le fait en, donc en plus rapide, donc on en était là vers là dans le coin. On arrive, attends, caméra. On n'est pas allé par là. T'es sûr? Ah non, 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 on n'est pas allé par là. Toilette. Ah, une pile, t'es. Ça oui. Fait du bien. Oh, j'ai cru que la plante était un mec. Oh. C'est bien, hein, on est dans un hôpital psychiatrique, le seul truc qu'on trouve, c'est des piles quand même. Donc voilà, on s'est arrêté à ce petit panneau. Ah, voilà, c'était ça. Tout à fait. Où il y a marqué Electric Room. Bon, on vous laisse lire. Nous, attends. Non, on prend Security juste, Room à s'il droite. S'il te plaît, on prend juste 10 secondes pour retenir où tout ça se trouve. La librairie est en haut, là. Non, c'est bon, il y a. Mais non, en fait, je suis bête. Si tu regardes les flèches, il n'y a que la chambre électrique. Oh là-bas. Coucou. Mais pourquoi pas, Maggie? Alors, attends, on va fouiller quand même parce que. Attends, dans le pot. Enfin, dans le pot, dans le seau, non? Non. Tu vas trop vite. Ah, lui, c'est post-caca pour moi. Et lui, c'est bras dans le chiotte. Ah putain, il y a même sa tête. Bébiche! Bébiche, il me dit. Tout droit, on est allé, tout droit? Non. Ah si, on est allé. On n'est pas allé au fond. Il faut aller là? Non, mais l'autre fois. Enfin, la dernière fois. Ah. Si, tu t'en souviens pas? On est allé jusqu'à la... Mais il faut aller là-dedans, non? Oui, c'est par là, mais on va voir un peu au fond. Mais, non, mais ici... Je veux aller voir le mec, moi, là, au fond. Mais ici, c'est pas là qu'il y avait ta pile. C'est là, là. Que tu me disais tout à l'heure, je sais pas, il me semble, oui. Là, non, là, pour là, moi, c'est là où il faut continuer. Bah non. Ah non. Ah non. Si, c'était là qu'il y avait ta pile, ouais. Je crois, non? Ah, tu vois. Pardon. Et oui, oh putain, la porte qui se ferme. Oh, tu peux grimper? Non, je peux pas. C'est con. Le truc logique, la porte se ferme. On ouvre doucement du coup. Tiens, t'ouvres et tu vois le mec ouais. Passe caca en face. On passe caca. Ah voilà, la chambre électrique. La chambre électrique, la chambre de sécurité. Et merde, c'est moi. Voilà, bip. Voilà, et que moi je ferme dis la qu'il porte. Faut rester dans cette salle pour toujours. Au cas où. Voilà. En plus, il y a le petit café, tranquille. Ah, coffee. Ok, on sache pas ce que c'est. Je bois vite parce que j'aime pas. C'est fou, dans les jeux d'horreur, t'es toujours obligé de faire les trucs à côté vite, boire, manger. Et comme ça. Oh là. Ok. Sauvegarde. Ah, sauvegarde, ça va, il m'a fait peur. Ah ouais? Donc voilà, là ça a bugué, il n'y a plus de courant, il faut vite qu'on se planque là-dedans. Ouais, voilà. Pourquoi? Pourquoi vous allez voir? Oh, coucou mon gars. Et le mec quoi, il est loin, en venir. Sécurité. C'est petit cochon. Tu m'as fait peur, j'ai cru que t'avais ouvert la porte. Je t'ai dit, je suis un reporter, j'ai pas envie de ces images. Il est pas poli, lui. Hein. Je suis un fou, j'y vais. On entend que le mec flippe quand même. Et tu sais les notes qu'il a eu ce jeu ou pas? Je pense qu'il a 80 été... sur 100 sur Steam, il a en note. Ah, ouais, c'est bien ça. C'est là, Elise. Bon, on retourne derrière. Parce qu'ils disent qu'il faut aller à la chambre électrique. Bon, on l'a fait, hein. Jusqu'à la chambre électrique, on l'a fait, ça. On vous le cache pas. Oh. S'il te plaît. Merci. Oh là là, il a du mal, hein. L'ombre, tout ça, c'est bien fait. Bon, voilà.
Alors là, on va aller très très vite. Non, c'est là. Ah. Là, il y a un truc. Un dossier. Oh putain! Je vous le mets. On va devoir recharger. On va recharger après, c'est pas grave. Voilà, si vous voulez lire. Et je recharge avec R. Reload. Je m'en souviens. Par là. Ouais. Il nous aide encore un peu dans le jeu. Bon, on va aller vite. Who's there? Qui est là? Non, on y va pas. On va aller directement à Alex là, s'il te plaît. Ah, c'est moi. Excuse-moi. J'aime pas trop beaucoup ça. À partir de là, va falloir aller très vite. Nous, on est mort ici. Hein. Voilà. Voilà. Là. Ici. Vas-y, vite. On n'est pas seul. Ferme la porte d'abord. Ferme la porte. Putain. Alors? C'est que tu cliques à côté. Attends, je te fais échappe. Mets-toi bien au centre de l'écran. Bon, fais quoi là? Ah, il est là, tu l'as vu? Oh! L'enculé. On peut se cacher ou pas? Non, où tu veux te cacher? Allez, casse-toi! Aïe! Allez, à droite, à droite. À gauche, à droite, là. Là, voilà, par là. Aïe! Vers là. Ah non! Oh là là, ah, mais là on est où là? Il nous bloque. Oh putain. Oh là là, j'aime pas ça du tout. Et voilà, mais voilà. En trois coups il nous a tués. Bon, on a fait un petit peu les coups. Bon. Voilà quoi, super. On n'arrive pas à passer l'étape supérieure. Donc voilà, dans le dernier Nuclear Game, on s'est arrêté là aussi, le file de loupé. Mais donc au moins, ça je vous crois a... qu'on va s'arrêter là encore aussi. Nous on va peut-être continuer en off, je pense. Un peu, oui, un peu au moins ça vous donne. A permis de voir un peu le jeu, nos fails, un peu comme on est un peu nul, beaucoup. Oui, donc bien sûr, je vais mettre quand même la compile où on a peur, et comme ça vous en verrez un peu plus. Mm. Sur ce, ben, on vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Ouais, parce que actuellement on tourne le 21. L'année dernière c'était donc, la fin du monde. Oui. Et donc, ben, voilà, prochain Nuclear Game bientôt. Donc, comme disait Tita tout à l'heure, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos idées de ce que vous voulez voir. Les commentaires en bas, le voilà. J'aime, le pouce vert, plutôt, le j'aime. Ah oui, bon. Le pouce vert. Et aussi, si vous avez adoré, si vous nous aimez bien, si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Voilà. Sur ce, bah à bientôt, merci d'avoir regardé ce Nuclear Play. Et vous nous ferez un très joyeux cadeau, un très joyeux Noël, un joyeux cadeau. Je ne sais pas parler, mais c'est pas grave. Les couillons.